Bonjour à tous. Alors, je crois que vous avez compris le sujet de cette nouvelle vidéo, l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un verbe pronominal? C'est un verbe qui est précédé d'un pronom réfléchi de même personne que le sujet. Par exemple, se laver, on dit je me lave, tu te laves, il se lave, etc. Et la difficulté, lorsqu'on veut conjuguer des verbes pronominaux à leur temps composé, est qu'on doit utiliser l'auxiliaire être, et à ce moment-là, on peut avoir des doutes sur les accords. Alors, je sais, c'est tout un programme. Mais heureusement, c'est bientôt Noël. Alors, pour changer un peu, on va commencer par la phase test. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir et on se retrouve après. Chaussette le chat a fait tomber le sapin. L'une des jolies décorations s'est cassée. Prophélie s'est aperçue de cette bêtise. Chaussette et Prophélie se sont disputées, puis se sont parlées et se sont réconciliées. Noël a été sauvé. Et Chaussette a eu ses croquettes. Vous doutez? Tant mieux. Restez là, vous aurez la solution à la fin de cette vidéo. En attendant, on va réviser un peu. Donc on va voir d'abord les cas les plus simples et restez bien jusqu'à la fin pour voir les cas les plus complexes. C'est parti. Voyons tout d'abord les verbes dont on dit qu'ils sont essentiellement pronominaux. Ce sont des verbes qui n'existent pas sans le pronom réfléchi « se » ou alors qui n'ont pas le même sens sans lui. Par exemple, lorsqu'on aperçoit quelque chose, on voit quelque chose au loin, alors que lorsqu'on s'aperçoit de quelque chose, on se rend compte de quelque chose. On voit ici qu'ils n'ont pas le même sens. Dans les verbes essentiellement pronominaux, on peut trouver également « s'enfuir »,« s'écrier »,« se souvenir »,« s'évanouir ». Alors, comment les accorder? On les accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Par exemple, lorsqu'on dit « elle s'est souvenue de Noël dernier », on va écrire « souvenue UE » puisqu'on l'accorde avec « elle ».« Les chats se sont enfuis » « IS » en accordant avec « chat ».« Chaussette » c'est écrit « Prophélie », »« écrier » et « E » puisque le sujet est « Prophélie ». Certains verbes pronominaux ont une construction qui s'apparente à la voix passive. On les appelle les verbes pronominaux de sens passif, comme « se vendre »,« se construire », »,« se jouer ». Comment les accorder? On les accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Par exemple, cette maison s'est construite en quelques mois, ces livres se sont vendus à des millions d'exemplaires, cette pièce s'est jouée tout l'été à Avignon. Alors, comment faire avec d'autres verbes pronominaux comme se laver, s'habiller, se parler, se sourire, se battre, se plaire, se regarder? Eh bien, il faut réfléchir à la construction du verbe et voir si le verbe se construit avec un COD ou avec un COI. Si le verbe se construit avec un COD, par exemple, se rencontrer, on peut dire elles se sont rencontrées, il faut se demander elles ont rencontré qui? Elles ont rencontré elles, l'une et l'autre. Se représente donc le COD. On accorde le participe passé avec ce COD. D'autres verbes se construisent avec un COI comme se parler. Par exemple, on dit elles se sont parlé. Elles ont parlé à qui? Elles ont parlé à l'une, à l'autre. Se est donc un COI. On n'accorde pas du tout le participe passé. Attention, on arrive aux cas les plus délicats, ceux que vous attendez et craignez à la fois. Vous êtes prêts? On continue. Voici donc les cas les plus complexes. Lorsqu'on dit il s'est lavé, il a lavé lui-même, se est donc le COD, on accorde le participe passé avec celui-ci, on l'accorde au masculin singulier. Même raisonnement pour elle s'est lavée, se représente elle-même, c'est le COD, on accorde le participe passé avec ce COD et donc lavé et eux. Alors pourquoi écrire elle s'est lavé les mains, lavé et? Eh bien on se demande elle s'est lavé quoi? Elle s'est lavé les mains. Les mains est donc mon COD placé après mon verbe. On applique les mêmes règles d'accord qu'avec l'auxiliaire avoir et donc on n'accorde pas à ce moment-là le participe passé. En revanche, si mon COD passe avant mon verbe, on va accorder le participe passé avec ce COD. Dans les mains qu'elle s'est lavée, les mains est toujours mon COD placé avant, on va accorder le participe passé avec le COD. En résumé, si vous avez affaire à un verbe essentiellement pronominal ou pronominal de sens passif, vous accordez le participe passé avec le sujet. En revanche, si votre verbe est suivi d'un COD ou d'un COI, vous n'accordez pas votre participe passé. Et si il a un COD
qui est avant, soit sous la forme d'un pronom réfléchi ou autre, vous accordez votre participe passé avec le COD. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Et voici la correction du test que l'on a fait au début de la vidéo. Il fallait accorder cassé et eux, puisque la jolie décoration s'est cassée elle-même. Prophélie s'est aperçue de cette bêtise, aperçue UE, puisque s'apercevoir est un verbe essentiellement pronominal, on accorde le participe passé avec le sujet. Chaussette et Prophélie se sont disputés ES, puisqu'ils se sont disputés l'un avec l'autre, ce qui est repris dans le SE, le COD étant avant, on accorde le participe passé avec celui-ci. En revanche, lorsqu'on dit ils se sont parlé à l'un à l'autre, on attend un COI, on ne va donc pas faire l'accord, et ils se sont réconciliés. Et S, puisqu'ils se sont réconciliés l'un avec l'autre. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et si c'est le cas, mon cadeau à moi, ça serait que vous likez, vous partagez un maximum cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à bientôt, et d'ici là, abonne-toi, ça t'apprendra.